كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله والحمد لله والله حتى يتبين لهم أنه الحق. Il est particulièrement agréable pour moi d'apporter ma part d'explication dans le miracle de la création cité dans les versets coraniques et dans les hadiths du prophète. Il me semble que ces versets ont bel et bien fait l'objet d'une révélation de Dieu à Mohammed ibn Abdallah, que la bénédiction soit sur lui. Ainsi, ce qui a été découvert récemment, et bien des siècles après la révélation, me donne la certitude que Mohammed est bien envoyé de Dieu. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. Celui qui parle dans le Coran, c'est Dieu lui-même. Ce n'est la voix de personne d'autre, car le Coran n'est pas une parole humaine. Il est essentiel de savoir que ce n'est pas la parole de Mahomet. Les chrétiens et les juifs demandent souvent, est-ce qu'Allah, le Dieu de l'islam, est le même Dieu que celui que nous adorons? Et je réponds sans équivoque que oui, Allah est tout simplement le mot arabe pour Dieu. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Celle d'un livre infini. Gravitons autour du monothéisme. Il est écrit dans le Coran, dites, nous croyons en Dieu et à ce qui a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus, aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur, nous ne mettons point de différence entre eux. Nous avons l'affirmation constante que les anciens prophètes sont tous des musulmans, autrement dit soumis à Dieu. Adam était musulman, Moïse était musulman, Jésus était musulman. Cela veut dire que Mahomet a été envoyé pour confirmer les deux précédents messages. Mahomet, ou la voix, indique dès le début qu'il est le résultat final d'une longue chaîne de prophètes que Dieu a envoyés. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Il s'agit de la même révélation. Et cette révélation a été adressée à chaque peuple dans sa propre langue, en accord avec ses propres coutumes, par l'intermédiaire d'une série de prophètes suscités par Dieu. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.